amoureux de la bonne cuisine, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je veux bien merci par la grâce de Dieu. Moi, c'est Jenny Selo Tendi Kileba. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'hésitez pas d'aller vous abonner massivement et c'est gratuit. Et activer la cloche de notification pour voir le recette que je vais réaliser pendant la semaine. Sans plus tarder, aujourd'hui j'amène encore une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. C'est la sauce de queue de bœuf. C'est la sauce de queue de bœuf. Sans plus tarder, je vais vous énumérer les ingrédients que je vais utiliser pour passer à notre recette. Pour réaliser cette recette de queue de bœuf, j'aurai besoin des éléments ou les additifs ci-après. Premièrement, j'aurai besoin de notre queue de bœuf. Et là, et puis notre feuille de laurier. J'aurai besoin de notre sel de mer. Notre poireau. Ici, j'ai mélangé le poivre noir et le poivre blanc. J'aurai besoin de notre oignon comme ça, je l'ai coupé en cubes. Gingembre et l'ail mixé. La tomate fruit. Notre huile. Je vais utiliser un peu de la tomate pirée. Ici, j'ai écrasé notre oignon échalote rouge. Et puis, je vais sélectionner le poivron jaune et le poivron orange et notre piment pour accompagner ma sauce. Et à la fin, je vais utiliser le bouillon de bœuf. Conseil gratuit, si vous voulez utiliser la tomate fruit, il faut choisir ces modèles, vous voyez. Comme ça, ça donne un bon goût dans la nourriture. C'est ça. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant commencer à assaisonner notre queue de bœuf. Là, j'ai du sel, c'est ça. Je mets du sel, juste un peu, pas beaucoup. Et puis, je veux mettre un peu de bouillon de bœuf. Vous avez vu. Juste un peu, pas beaucoup aussi. Et puis, je vais ajouter un autre poivre noir et poivre blanc. Et je vais ajouter notre gingembre et l'ail. Et pour terminer, je vais ajouter notre échalote. Échalote pilée ou échalote pirée. C'est ça. Là maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux le mélanger pour l'assaisonner. Je veux le mélanger. Je le mélange pour l'assaisonner. Je veux le mélanger vraiment très bien. Je le mélange pour l'assaisonner. Et puis, je vais essayer de tester mon sel. Si c'est complet. Si ce n'est pas complet, je vais ajouter un peu de sel. Excusez-moi. Là, j'ajoute un peu de sel pour assaisonner notre queue de bœuf. C'est ça. Notre mélange de queue de bœuf est là. Les amoureux de la bonne cuisine, accordez-moi 10 minutes de reposer notre queue de bœuf. Et puis, je vais passer à la friture de notre queue de bœuf. Ok, les amoureux de la bonne cuisine. Là, du coup, nous sommes de retour. Là, maintenant, je vais passer à la friture de notre queue de bœuf. Je n'utilise pas beaucoup d'huile parce que notre queue de bœuf contient déjà beaucoup de graisse.
Et là, maintenant, je mets juste un peu d'huile pour passer à la friture de notre queue de bœuf. Et là, je veux maintenant faire la friture de notre queue de bœuf. Je le verse tout. Notre fruit de bœuf là. Les amoureux de la bonne cuisine, accordez-moi quelques minutes de travailler derrière les caméras pour gagner le temps de faire la friture de notre quai de bœuf. Juste, je l'ai sauté. Là maintenant, je vais ajouter un peu d'eau, juste un peu, pas beaucoup. Je vais ajouter un peu d'eau. Vous avez vu, juste un peu d'eau. Juste un peu d'eau. Je vais les tourner, vous avez vu. Je n'ai pas fait la friture, pas beaucoup de friture, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas pris beaucoup de temps pour la friture, pardon. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai juste sauté. Et là, du coup, j'ai ajouté de l'eau. Et maintenant, là, je les couvre. Je le laisse bouillir pendant 30 à 45 minutes. Là, je les couvre. J'avais mis de l'eau et maintenant là c'est séché. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je veux le faire tourner comme ça pour que notre queue de bœuf change un peu de couleur. Ça devient un peu marron. Vous avez vu? Je vais le sauter comme ça. J'avais mis de l'eau. Tout séché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sauter comme ça. Encore, vous avez vu, pour ça change un peu de couleur. Vous avez vu. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ajouter encore de l'eau pour la deuxième fois. C'est ça. Donc la deuxième fois est là. Vous avez vu, je mets beaucoup d'eau. Je viens de mettre beaucoup d'eau. Et puis, je vais les laisser bouillir pendant longtemps parce que c'est un peu dur pour que notre viande devienne tendre. Là, je le couvre encore. Et là, j'avais mis de l'eau pour la seconde fois. Séché encore. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je vais commencer à les sauter. Vous avez vu, il n'y a pas d'eau. Je vais commencer à les sauter. Je vais commencer à les sauter pour que ça change de couleur. Ça devient un peu marron. Vous avez vu, les amoureux de la cuisine, parce que notre queue de bœuf, c'est vraiment très dur. Il faut bien le bouillir pour obtenir une bonne sauce. Vous avez vu, il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau. Il n'y a pas d'eau, pardon. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais commencer à les sauter comme ça. Je vais commencer à les sauter comme ça pour que ça change un peu de couleur. Ça devient un peu marron, c'est ça. Vous avez vu, je le saute comme ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ajouter les oignons. Là, j'ajoute les oignons.
je tourne. Les amoureux de la bonne cuisine, excusez-moi, notre vidéo, ça sera un peu kilométrique, alors... vous pouvez m'excuser, en tout cas, vraiment, pardon. Là, vous avez vu, là, je saute maintenant notre queue de baie avec les oignons. Qu'est-ce que je vais faire encore? Là, je vais ajouter notre poireau. C'est ça. Je le saute encore, je le tourne. Vous l'avez vu, je le tourne. Et là, du coup, je vais mettre notre purée de tomates. Je le tourne encore. Je le tourne encore. Je le tourne encore. Je le tourne encore. J'ai checké notre viande, c'est très tendre. Je le tourne encore. Et puis je vais mettre notre tomate fraîche, tomate fruit. Je vais le tourner. Je vais le tourner. Je vais le tourner. Et j'avais sélectionné mes deux poivrons jaune et orange. Je le mets encore. Je vais le tourner. J'avais aussi checké notre sel, c'est très bien. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux juste mettre un peu de bouillon de bœuf pour assaisonner mes tomates, le poivron et tout qu'on sort. Juste un peu, pas beaucoup. Je le tourne encore. Je le tourne encore. Ce que je veux faire maintenant, je vais ajouter mes piments. Et je vais ajouter encore de l'eau. Je vais ajouter de l'eau. Je vais ajouter de l'eau. Je le tourne. Et puis, je le couvre. Je vais le laisser bouillir pendant 20 à 15 minutes. Et puis, on va passer à la présentation de notre nourriture. Avant que notre marmite soit prête, je vais ajouter quelques persils au-dessus de notre sauce. Et là, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. J'avais oublié... de vous signaler pendant que je travaillais derrière les caméras quand j'ai mis notre queue de baie dans la marmite, en tout cas je l'ai tourné pendant quelques minutes et j'ai couvert notre marmite. Il y avait eu du jus de bœuf, de queue de bœuf, et puis quand le jus a séché, j'ai ajouté encore de l'eau pour la première fois, et puis c'était juste ça, j'avais oublié de vous signaler. Et là, notre queue de baie est prêt. Là, je passe maintenant à la présentation de notre PDB. Patrick Ngolo, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à Patrick Ngolo, mon grand frère. Merci, 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 merci. Je ne saurais pas citer les noms de tous mes abonnés parce que je n'ai pas le temps. Alors, je ne saurais pas aussi mémoriser tous les noms de mes abonnés. Là, je passe à la présentation de notre nourriture.
Les amoureux de la bonne cuisine, notre sauce de queue de baie est là. Abonnez-vous massivement. Partagez vraiment le vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Abonnez-vous massivement. Partagez le vidéo. Ça me fera énormément plaisir. Notre sauce de quai de baie est là. Essayez dans vos maisons, vous ne serez jamais déçus. Notre sauce de queue de baie est là. Partagez les vidéos, aimez les vidéos, mettez vos commentaires, mettez vos j'aime. Ça me fera énormément plaisir si vous le faites. Notre quai de baie est là. C'est vraiment très bien réalisé. En tout cas, essayez dans vos maisons, vous ne serez jamais déçus. Notre sauce de queue de bœuf est là. Notre sauce de queue de bœuf est là. Abonnez-vous massivement. Partagez le vidéo. Aimez les vidéos. Mettez vos commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Bye, à la prochaine numéro.